C'est pas la méchanceté des âmes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Sur mon divan, je regarde la télévision. Explique-moi ce qui se passe, comme si j'avais 10 ans. Assombrir ma vision, pourtant le soleil est présent. Les gens qui font la morale avec une veste en vison. Ou peut-être simplement qu'on a perdu la raison. La vie est un terrain glissant, mais dans quel monde nous vivons? Stop. Et en effet, le mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres. Font tous semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Je me rassois sur le divan, toujours la télévision. Obligé de plisser les yeux, rien à l'horizon. Je vais raconter mes problèmes à des gens qui vivent dans l'aisance. Ils vont me prendre au sérieux que si je m'asperge je descends. Ou peut-être que tout simplement je n'intéresse pas grand monde. Je suis peut-être une valeur marchande aux yeux de quelques passants. Stop. Et en effet, le mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est pas...